Salut et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Della. J'espère vous allez bien, de mon côté, pas mal. Il fut un moment où vous avez observé un silence absolu, indépendamment de notre volonté. Mais il est possible dès maintenant qu'on puisse reprendre les activités sur cette chaîne. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec les boucles en langage C, et en particulier la boucle while, qui signifie en français « tant que ». Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à regarder les précédents tutoriels et en particulier le tutoriel qui vous parle de la boucle for, ce qui vous facilitera la compréhension de ce présent tutoriel. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le lien de cette vidéo vous sera mis dans la description de cette vidéo ou il suffit juste d'aller à la fin de cette dernière, puis vous allez cliquer sur la playlist qui va s'afficher et vous aurez accès à toutes les vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La boucle while. En langage C. La boucle while, tout comme la boucle for que nous avons vu dans la précédente vidéo, nous permet de répéter un bloc d'instruction donné lorsqu'une condition est vérifiée. Alors, vous vous posez à cet instant la question pertinente à savoir quand est-ce faut-il utiliser la boucle while au détriment de la boucle for. La réponse à cette question est simple. Nous utilisons la boucle while du moment où nous sommes dans une situation où nous ne connaissons pas d'avance si le bloc d'instruction sera exécuté au moins une fois ou pas. En bref, la boucle while est utilisée lorsque nous sommes dans un état d'incertitude d'exécution du bloc d'instruction. Nous ne savons pas si le bloc s'exécutera au moins une fois ou pas. C'est incertain, ce n'est pas connu d'avance, contrairement à la boucle for dont le nombre d'itérations est connu d'avance. C'est ça la principale différence qui existe entre la boucle for et la boucle while. Mais il est à noter que ce que la boucle for peut faire, la boucle while peut faire, mais la réciproque est fausse. Alors, découvrons maintenant la syntaxe de la boucle while. La syntaxe de la boucle while. Alors, pour utiliser la boucle while, vous avez besoin d'une variable de boucle. Ensuite, il va falloir faire trois manipulations sur cette variable de boucle. La première s'appelle l'initialisation, la seconde s'appelle la condition et la troisième, c'est la modification. Vous passez à l'initialisation. Une fois que vous avez initialisé votre variable, alors vous mettez while, vous mettez les parenthèses. Et entre ces parenthèses, vous allez spécifier la condition. Vous allez définir votre condition à ce niveau. Puis vous sortez de ces parenthèses et vous allez mettre les accolades. Vous faites entrer, vous écrivez l'ensemble de votre code à ce niveau. Écrivez le code qui sera exécuté si la condition est vraie. Une fois que vous avez écrit la toute dernière instruction, alors vous allez procéder à l'étape de modification de la variable de boucle. Alors, vous passez à la modification. Vous passez à la modification de la variable de boucle. Et voilà, c'est ainsi que va se structurer la boucle while. La toute première des choses, vous faites la déclaration de votre variable de boucle. Vous allez initialiser cette variable de boucle. Dans votre while, vous donnez la condition sur cette variable de boucle et vous allez donner l'ensemble des instructions qui seront exécutées si la condition est vraie. Vous apportez la modification sur cette variable de boucle. J'ai réalisé l'organigramme de cette boucle dont nous pouvons consulter à ce niveau. Voici à quoi ressemble l'organigramme de la boucle while. La toute première des choses, c'est l'initialisation sur la variable de boucle. Une fois que l'initialisation est effectuée, alors on passe sur la condition. On effectue le test sur la condition. Si la condition est vraie, alors on exécute le code qui est à l'intérieur des deux accolades et puis nous effectuons la modification. On retourne et puis on teste de nouveau pour voir si la condition reste toujours vraie ou si elle est fausse. Si la condition demeure toujours vraie, alors on rentre et puis on exécute de nouveau encore le code. On effectue la modification, puis on retourne, ainsi de suite, jusqu'à ce que la condition serait fausse. Lorsque la condition est fausse, alors la boucle va s'arrêter et puis nous allons sortir, puis se brancher sur la suite du programme. Ce schéma ci-contre illustre également le même mécanisme. L'initialisation y est effectuée.
On fait le test sur ce dernier. Si c'est vrai, on exécute le code, puis on fait la modification. On retourne encore, on teste de nouveau jusqu'à ce que la condition ne soit fausse. Si la condition est fausse, alors nous allons sortir de notre boucle et puis nous allons continuer sur la suite du programme. Étant donné que nous avons parcouru ces notions théoriques qui étaient d'ailleurs indispensables, nous pouvons maintenant passer au côté pratique. Pour cela, je t'invite à ouvrir ton CCP Droid si tu es utilisateur de téléphone. Et si vous rencontrez des difficultés à programmer avec votre téléphone, je t'invite à regarder la vidéo qui te montre comment utiliser CCP Droid sur son téléphone. Le lien te sera mis dans la description de cette vidéo. Ou si vous êtes utilisateur d'ordinateur, alors je t'invite à ouvrir ton code bloc ou tout autre logiciel correspondant. Afin de faciliter les choses, moi j'ai déjà ouvert mon code bloc puis créé mon projet. Alors nous pouvons le voir à ce niveau. J'ouvre le projet. Voici le projet en question. C'est le code qui est généré par défaut. Je vais supprimer cela et puis on débute à zéro comme d'habitude. Pour commencer, vous faites toujours l'inclusion de la bibliothèque studio.h. Vous faites int main, votre programme principal. Vous faites les parenthèses. Vous mettez les crochets. Return 0. Vous demandez au programme de vous retourner 0 si tout s'est bien passé. Pour illustrer l'usage de la boucle while, je vais prendre un tout premier exemple qui consiste à afficher les 10 premiers nombres entiers positifs. Vous constaterez certainement que cet exemple pourrait être fait avec la boucle for parce que le nombre d'itérations est connu d'avance, qui est d'ailleurs 10. Pour ce faire, je vais déclarer ma variable de boucle que je vais appeler ici un entier qui s'appelle i et je vais l'initialiser à 1. Maintenant, je vais rentrer dans ma boucle. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre while. Je mets les parenthèses. Je vais spécifier ma condition. Je vais dire tant que i reste strictement inférieur à 11, qu'est-ce qui va se faire? Ou bien, je dis ici tant que i reste inférieur ou égal à 10, c'est la même chose. Vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, vous sortez de ces parenthèses, puis vous mettez vos accolades. Vous mettez printf. On doit devoir afficher la valeur en question. Pour afficher la valeur, ce sont des entiers, vous allez mettre pourcentage D. Puis, vous faites un anti-slash pour mettre une tabulation. Et la valeur que vous voulez remplacer à ce niveau par le pourcentage D, c'est le contenu de la variable I. Vous allez mettre la variable I à ce niveau. Ensuite, vous mettez point-virgule. Avec cette instruction, vous allez pouvoir afficher la valeur de la variable I. Ensuite, vous allez procéder à la troisième étape maintenant qui est la modification. On doit devoir modifier notre variable de boucle. Dans notre cas, nous voulons afficher le nombre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Vous voyez qu'on décale d'un pas à un autre pour chaque itération. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre i reçoit i plus 1. I reçoit i plus 1, vous mettez point virgule et c'est ça qui constitue votre modification ici. Ainsi, vous avez également la possibilité d'exprimer cette instruction autrement en faisant i plus plus. Voici, vous mettez point virgule, soit vous utilisez ça ou vous utilisez le second. Moi, je préfère utiliser le second et ça a le même effet. En effet, voyons comment va fonctionner le programme. Nous avons déclaré notre variable de boucle qui s'appelle i et nous l'avons initialisé en même temps sur 1. Ensuite, nous avons mis notre while, notre boucle, dans laquelle nous avons spécifié que la valeur de i doit être inférieure ou égale à 10. Qu'est-ce qui va se passer? Le i qui est initialisé à 1, dès qu'il rentre ici, il ne va plus retourner. Il est initialisé pour une fois de bon. Maintenant, il va venir et puis vérifier. 1 est inférieur ou égal à 10. Oui, 1 est inférieur ou égal à 10. On affiche le contenu de la variable de i, puis on ajoute 1 sur l'ancienne valeur. C'est comme ça va passer. Maintenant, à l'entrée de la boucle, le contenu de i serait égal à 1. 1 est inférieur ou égal à 10. Oui, on va rentrer, on affiche 1, puis on augmente 1 sur l'ancienne valeur. Ce qui veut dire que le i équivaut maintenant à 2. On va, 2 est inférieur ou égal à 10. Oui, 2 est inférieur ou égal à 10. On rentre, on affiche 2 de nouveau. Puis, on augmente 1 sur 2. Ça fait 3. On va, 3 est inférieur ou égal à 10. Oui, 3 est inférieur ou égal à 10. On rentre, on affiche 3. Et puis, on augmente 1 sur ça. Ça fait 4. Jusqu'à ce que le i serait égal à 10. On vient, 10 est inférieur ou égal à 10. Oui, 10 est inférieur ou égal à 10. On rentre, on affiche 10. Puis, on augmente 1. Maintenant, le i équivaut à 11. Est-ce que 11 est inférieur ou égal à 10? Non, 11 n'est pas inférieur ou égal à 10. Alors, il va sortir de la boucle
et puis le programme va s'arrêter à ce niveau. Alors, exécutons ce code pour voir le résultat qu'il va nous fournir. Mais autant pour moi, ici, j'ai mis le U, on va le supprimer, puis on exécute. Et voici, on vous affiche 1, 2, 3, jusqu'à 10. C'est ainsi que va fonctionner également la boucle while. Ayant vu ce premier exemple qui peut être également réalisé par la boucle for, alors nous allons voir maintenant un second exemple qui est spécifique pour la boucle while, c'est-à-dire un exemple dans lequel nous ne sommes pas certains, nous n'avons aucune certitude si le bloc de code serait exécuté ou pas. Alors, le second exemple concerne quoi? Ça va juste consister à demander à un utilisateur quelconque de nous donner sa moyenne annuelle, par exemple. Et lorsqu'il nous donne une moyenne négative, nous allons lui demander de nouveau de nous saisir une moyenne valide. Pour résoudre ce problème, je vais devoir supprimer ceci parce que je n'ai plus besoin de ça, mais vous pouvez commenter à votre niveau, ça dépend de vos besoins. Alors, entamons la résolution de ce problème. Pour cela, vous devrez déclarer une variable. Moi, je vais l'appeler moyenne et elle est de type réel. Je vais l'initialiser à 0. D'accord? Et puis, nous allons afficher un message à l'utilisateur à l'aide de printf, lui demandant de donner sa moyenne annuelle. Donnez votre moyenne annuelle, s'il vous plaît. Anti-slash n pour faire un retour à la ligne. Point virgule après l'instruction. Ensuite, nous allons lui donner la main pour pouvoir entrer cette valeur. Pourcentage F, parce que c'est un réel, virgule, le nom de la variable précédée de E période. Une fois que nous avons récupéré la moyenne de l'utilisateur en question à l'aide de cette instruction, nous allons maintenant passer au test. Pour cela, vous allez mettre while, vous mettez les parenthèses et on va spécifier notre condition. Si la moyenne reste inférieure ou égale à 0, alors on va lui demander de ressaisir de nouveau une moyenne valide. Vous mettez les accolades et on va copier ce message, puis le personnaliser. Donner de nouveau une moyenne valide. J'avais omis moyenne à ce niveau. Une fois que vous l'avez affiché ce message, vous lui donnez également un moyen de saisir cette nouvelle valeur. Et nous allons sortir de notre boucle du moment où il va saisir une valeur positive. Mais il va demeurer toujours dans la boucle tant qu'il saisit une valeur négative. Quand on sortira de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'afficher maintenant, cette moyenne, à l'aide de printf. Votre moyenne annuelle, hein, vous mettez pourcentage F parce que c'est un réel. Vous faites virgule et le nom de la variable, c'est moyenne. On va faire un retour à la ligne avec anti-slash n. Au lancer de ce programme, il va vous afficher « Donner votre moyenne annuelle ». Vous allez devoir saisir votre moyenne annuelle. Une fois que vous avez donné votre moyenne annuelle, alors nous passons au test. On vérifie que votre moyenne annuelle que vous avez donnée reste totalement supérieure à 0. Dans le cas où votre moyenne annuelle reste inférieure ou égale à 0, qu'est-ce qui va se faire? Nous allons rentrer dans la boucle. On rentre dans la boucle et on vous demande de saisir de nouveau une moyenne valide. Vous allez devoir saisir cette moyenne. Nous allons rester dans cette boucle tant que vous n'avez pas donné une moyenne supérieure à 0. Dès que vous donnez une moyenne supérieure à 0, alors la boucle va s'arrêter et nous allons sortir. Dès que nous sortons maintenant, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous affiche la moyenne que vous venez de saisir. Alors, c'est ainsi que va fonctionner le programme. Vous allez voir que ce bloc de code-ci va s'exécuter du moment où la moyenne que vous avez donnée reste inférieure à 0. Mais si ce n'est pas inférieur à 0, ceci ne va pas s'exécuter. Et ça, on ne peut pas décider d'avance. Ça dépend de ce que vous allez saisir par la suite. Alors, exécutons cela et nous allons voir tous ce que ça va donner. On vous demande de donner votre moyenne annuelle. Je vais donner par exemple 14. Voici, on vous affiche, votre moyenne annuelle est 14. Vous voyez bien que le bloc de code que nous avons mis n'a pas été exécuté, c'est-à-dire le while n'a pas été exécuté. Exécutons de nouveau ce programme en donnant maintenant une moyenne négative. Donnez votre moyenne annuelle, je vais donner par exemple moins 1. Donnez de nouveau une moyenne valide. Je donne 0 par exemple. Le message serait affiché encore, donner de nouveau une moyenne valide. Je vais donner par exemple moins 4. Le même message est affiché. Vous allez voir que vous allez demeurer dans cette même boucle. Ça va répéter comme ça tant que vous donnez une moyenne inférieure ou égale à 0.
Mais vous allez sortir de cette boucle du moment où vous donnez une moyenne supérieure à 0. Supposons que je donne par exemple une moyenne annuelle de 9. Alors, nous allons devoir casser cette boucle, puis sortir et on va vous afficher que votre moyenne est 9. Voici, on vous dit votre moyenne annuelle est 9. Donc, c'est ainsi que va fonctionner la boucle while. Comme vous avez remarqué, la force de la boucle while réside même dans cet aspect, c'est-à-dire permettre d'exécuter ou de ne pas exécuter un bloc de code en fonction des situations qui peuvent varier. Et vous pouvez vous en servir de ce dernier pour résoudre vos différents problèmes que vous allez rencontrer par la suite. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de liker la vidéo si ça t'a plu. N'oubliez pas de commenter et de t'abonner si tu es nouveau. Et tu peux juste cliquer sur la playlist qui t'est proposée à ce niveau pour accéder à toutes les vidéos de la chaîne.